Hello les petits chats, aujourd'hui on se retrouve pour faire éclore ce petit bébé, ce petit œuf de dinosaure. Ça fait depuis déjà 15 jours que je cherche cet œuf. J'ai fait plus de 5 magasins pour finalement trouver le tout dernier, le merveilleux à Jiffy. Le but de ce petit œuf est de le mettre dans l'eau pendant approximativement 24 heures. Donc tous les jours je vais le filmer un petit peu pour voir son évolution. On va lui mettre un petit vase, on va faire ça bien, tout ça, tout ça. On va le faire éclore dans 24 heures et on lui trouvera un joli nom. J'espère que t'es pas moche. Fille ou garçon ? Le vase. Donc, je mets de l'eau. Je vais ramener le vase près des jolies plantes. Là où il va pousser et devenir un vrai dinosaure. Est-ce que vous êtes prêts ? Nous mettons le bébé dans l'eau. On a dit plouf. Ah, il coule. Et voilà. Il n'y a plus qu'à attendre. Bébé dinosaure est dans l'eau. Rendez-vous demain. Hello les gens, j'espère que vous allez bien. C'est le matin et on regarde la suite de notre petit dinosaure. Alors, il n'a pas bougé de son bocal. Hein. Il est très très sage. Je vois ici que ça commence à se fracturer en bas. Il s'est déjà un petit peu cassé. Donc pour l'instant rien à dire, ici ça s'effrite un petit peu aussi là en haut. Mais il est pas né, hein. Là ça fait c'est sa première nuit. Je pense qu'on a des chances de voir une évolution dans la journée et peut-être le voir éclore demain, je croise les doigts. Hello les gens, ça y est, c'est l'heure de le faire éclore. J'ai pris un couteau parce qu'il est totalement bloqué au fond. Donc on va le récupérer, on va vider l'eau et on va voir à quoi ressemble mon nouveau bébé. C'est l'heure de faire éclore la bête. L'éclosion la plus longue du monde. Tu vas tomber, oui. Oh, il est né. Il est né, Stéphie. Ah. Ça a l'air vraiment dégoûtant. J'ose pas le prendre dans mes mains. Il est... On dirait qu'il... Bah, il vient d'accoucher. Enfin, c'est dégueu. Oh. C'est moche. Mais quelle est cette chose? Ah. En fait, c'est ultra visqueux. Bon, alors déjà, je suis un peu déçue parce que c'est un herbivore. Ensuite, il a le cul totalement caoutchouteux. Enfin, on sait pas si je crois que je dois le faire accoucher. Mais du coup, il y a de la matière comme ça partout. J'en veux plus. C'est dégueulasse. Cette chose coûte 7 euros. Il est même pas symétrique. Genre, il lui manque une patte là. Il a vraiment de cul. Ah, je suis bébé. Ok, je le prends. Allez, va. Vole, vis ta vie. Bah, c'était une expérience de 24 heures vraiment très enrichissante. Voilà, je vais pouvoir ranger tout ça. Les mettre dans ta collection. Exact. Et si tu veux le toucher? Non, si ça va aller. Vas-y, il faut que tu testes ce truc. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Mais quel est ce truc? Ah! Ah, mais c'est horrible! Mais c'est quoi ça là? Je sais pas, là, je sais pas! C'est quoi tout ça là? Mais il est mal fait, hein. Moi je le mettrai à la poubelle. Hein. Et j'en ai vraiment partout. J'ai l'impression que ça m'a bavé dessus en fait. Mais, ça fait plein de petits. Il est né. De petits trucs dégueu. Est-ce que tu veux lui donner un prénom? Mocheté. Mocheté? Ouais. Et ben voilà, il s'appelle Mocheté. Voici Mocheté. Et ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo de Mocheté vous a plu. Merci beaucoup en tout cas d'avoir visionné cette vidéo qui n'a servi à rien. Exactement. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous voulez d'autres accouchements, mais c'est pas sûr que j'en fasse. Moi je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite. Ciao! Bisous bisous!